chante. Il y a de la joie là. D'ailleurs, quand il y a des chants des oiseaux, c'est associé à la joie, à la vivacité de la vie qui se meut. Il y a de l'activité. Et la vie, en fait, c'est une activité, c'est une action constante qui crée de l'harmonie. Même si c'est un volcan qui pète, ça crée de l'harmonie. Au sein même du chaos, il y a même de l'harmonie dans la vie. Par contre, le chaos que la pensée fabrique crée le désordre. Et ça, c'est l'affaire de l'homme. Parce que nous pensons à ce qui est déjà passé et nous voulons le repenser. Et en le repensant, eh ben, ça fait une contradiction avec ce qui se passe, avec ce qui se joue, avec la vie qui se meut. Donc tout cet instant de joie, d'instant de beauté, je ne peux pas le remémorer parce qu'il est fini. Et si tu le remémores, il sera en contradiction avec ce qui se manifeste, avec la vie. Et la vie veut toute la place. La vie veut toujours toute la place. Parce que la vie, c'est la seule chose qui existe dans le moment où ça se meut. Alors que nos esprits, non. Ça ne se passe pas comme ça. On répète ce que nous avons appris en croyant que c'est la solution, c'est la bonne démarche. Et en fait, on se leurre. Parce que seule la vie a la solution. Seul l'instant vivant peut créer ce que la vie propose. Mais ce que tu te proposes, c'est juste de la mémoire. La mémoire de la vie qui a été là. La mémoire de l'oiseau qui a chanté. La mémoire du beau papillon. Et tu veux mettre ça en boîte. C'est ça, mettre en boîte les choses au lieu de les vivre, d'être le vivant de l'instant où tout ça se meut et laisser tout ça être comme une expression de soi. Parce que cette expression, elle ne peut être vraie que si elle est vécue. Mais si elle est racontée, elle est juste une explication. Il n'y a pas de réalité là-dedans. Par contre, tu peux voir que toutes les choses qui se vivent, c'est quelque chose qui t'appartient personnellement. Ça n'appartient pas à personne. Il n'y a personne qui pourra le vivre pour toi. Il n'y a que toi qui peux le vivre. Et c'est à toi de dégoter ce flux, cette émergence qui te pousse à agir avec excellence, avec bienveillance, avec dynamisme, enthousiasme. Parce que tout ça, c'est ce que tu es pour de vrai. Mais quand tu penses à tout cela, comment être intègre, comment être gentil, comment être ceci ou cela, ça devient quelque chose que tu sors d'une boîte. Tu vois, dans ce monde, on te dit ce que tu dois faire. Tout le monde sait, en fait, au fond de nous, on sait c'est quoi être vrai. On se dit souvent entre nous, aimez-vous les uns les autres. On se dit, soyons généreux. Le problème, c'est que nous indiquons à tous les autres comment tout le monde devrait se comporter. Mais en fait, comme on le dicte à quelqu'un,
et ce quelqu'un veut te faire plaisir, alors il va faire en sorte que il va le faire, mais ce sera pas véritable. Il va le faire pour te faire plaisir. Parce que maman a dit, parce que la religion a dit, parce que les gens de l'école le disent, les institutions le disent, les institutions le disent. Aimez-vous les uns les autres. Donc tout le monde le sait, on le sait au fond. Mais si on le répète parce qu'on nous l'a dit, alors ça devient, ça sonne faux. C'est pas vrai. Et toute l'existence de notre planète est basée là-dessus, sur ce que on devrait être. La norme établie dicte comment tu devrais te comporter. Et en fait, personne ne le fait. Tout le monde sait, mais en fait, tout le monde fait semblant de le montrer. Mais il n'y a rien de vrai. Nos sociétés sont fausses. Nous vivons dans une fausseté parce que, justement, nous avons peur d'être jugés. Donc nous voulons montrer à ceux qui nous demandent d'être ce que eux, ils aimeraient, ils attendent de nous. On veut leur montrer ce que eux, ils veulent. Donc on fait semblant. Et là, il y a un gros problème parce que, en fait, tu tombes dans le piège. Tu commences à dire un mensonge et puis après, il faut que tu en dises un autre. Et au bout de moment, tu sais plus vraiment c'est quoi le comportement, c'est quoi être toi-même. Tu te racontes tellement d'histoires, tu te donnes tellement d'images, tu te fais valoir que tu sais plus quel rôle jouer. Et tu en as une panoplie de rôles. Tu joues le gentil, le vilain, le grand, le fort, le beau. Et tout ça, c'est ce que les gens aiment voir. Mais finalement, si tu es honnête avec toi-même, tu ne peux pas être ce que tu voudrais être. Tu es juste ce que tu es vraiment. Et ce que tu es, c'est un tas de problèmes. Tu essayes de faire en sorte que le monde te reconnaisse à travers l'image que tu donnes. Tu montres ce que les gens veulent voir. Tu n'es pas vrai. Et à ce moment-là, il y a dans nos relations une fausseté, une rivalité. Parce que nous n'arrivons pas à nous entendre pour de vrai. Donc tout le monde se raconte des histoires. Tout le monde fait semblant et on trouve que c'est normal. On dit c'est normal, c'est comme ça, c'est ça la vie. Faisons semblant parce que on n'a pas besoin d'être vrai. Parce que quand on est vrai, on est confronté à la réalité de ce qui se passe vraiment. On s'aperçoit que on est faux, que tout ce qu'on fait est faux. Donc personne ne veut voir vraiment ce qu'il y a vraiment, ne veut être ce qu'il est vraiment. Donc il montre ce que les autres veulent voir. C'est plus rassurant. Il y a là-dedans une sécurité. La sécurité d'être celui que le monde admire, le monde glorifie. Donc on te dit que voilà, il faut arriver à être ce que le monde attend de toi. Donc tout le processus de la vie est ainsi. Donc on se donne la promesse de réussir et d'être ce que le monde attend de toi. Tu te fais un diplôme, deux diplômes, puis tu t'aperçois que tu sais toujours rien. Tu es vide. Tu te donnes de la valeur, tu te donnes de l'importance, mais ce que tu es n'a rien à voir avec la vie qui se vit. Or, la vie qui se vit, c'est la pure intelligence.
Tu peux avoir tous les diplômes de la planète Terre, mais si tu sais pas ce que c'est aimer, aimer l'oiseau qui prend son envol, être émerveillé devant la fleur qui grandit, être émerveillé par le coucher d'un soleil, alors tous tes diplômes, ça ne vaut rien. Ça n'a aucun sens en fait. Et c'est avec ça qu'on se donne du sens. On croit être devenu quelqu'un. Et on se la joue. Et c'est ça qui fait que nous sommes dans une relation ambiguë, fausse. Et l'autre va te le montrer, tôt ou tard. Il va te dire que tu es hypocrite. Et toi, tu dis non, mais pourquoi tu m'agresses comme ça? Parce que moi, je veux être dans ma zone de confort, c'est ce que je suis. Et tu te fais croire que tu es ce que tu aimerais être. Et tu renies que tu es faux. Parce que ça te demande beaucoup d'humilité pour reconnaître que tu es faux. Parce qu'il faut que tu t'arrêtes. Et il faut que tu voies la scène qui se joue. Qui es-tu? Apprends, connais-toi toi-même, et tu verras que ce que tu es, ce que tu as fait de ce que tu es, c'est quelque chose de faux. L'existence que tu vis est fausse. Elle est faussée par ce que tu voudrais être. Et ce que l'on voudrait être est au détriment de la sincérité, d'être sincère. Accepter ce que tu es. Ne pas croire que en le cachant, tu auras quelque chose de plus. Au contraire, tu auras beaucoup de problèmes. Parce que tu caches un peu et il faudra te cacher complètement et montrer autre chose que les gens veulent voir. Et pour faire ça, c'est une activité qui est très énergivore. Parce que tu dois courir partout pour te donner de l'allure, pour avoir des diplômes pour être quelqu'un, se faire valoir, taper du poing sur la table. Et tout ça, c'est énergivore. Et ça crée beaucoup de détresse dans le monde. Il n'y a pas l'acceptation de l'autre. Il y a le contrôle. On contrôle les autres pour qu'ils puissent faire en sorte qu'il te donne de la reconnaissance. On influence les autres. On leur demande d'être ce que nous voulons. C'est de l'arrogance. L'arrogance, c'est de vouloir être aimé. C'est de l'arrogance. Que tu aimes ou pas l'entendre, c'est de l'arrogance parce que tu n'es pas en train d'aimer, tu es en train d'attendre d'être aimé. Et à ce moment-là, qui est celui-là qui veut être aimé? Est-ce que ça c'est toi? Ou est-ce que ça c'est l'ego qui est insatisfait de la vie qu'il mène? Cet ego qui veut toujours plus et plus et plus et jamais il est content? Parce que lui, il ne sait pas ce qu'est aimer. Il sait ce que c'est que de recevoir de l'autre quelque chose qui va lui donner de la valeur, qui va lui donner de l'importance. Donc tu aimerais que quelqu'un te veut, qui t'aime, qui te mette en haut dans son estime, et tu es devenu quelqu'un. Et alors là, tu as peur que tout ça s'arrête. Parce que c'est ça notre monde. On veut l'autre, on le veut. Parce qu'il nous donne de l'importance, il nous donne un sens à notre vie monotone. Et à ce moment-là, tu l'emprisonnes. Chacun est la proie de l'ego de l'autre. On n'arrive plus à être là, présent, ensemble, à vivre en paix, parce qu'il y a la rivalité dans les relations,
On peut estimer que pendant ce moment où il y a, les deux sont pris dans ce mécanisme de vouloir l'un et l'autre, il y a quelque chose de gai qui se passe. Mais tout ça, c'est éphémère. Il faudra revenir à la réalité et voir que tu es esclave de l'autre. Au bout de moment, tôt ou tard, tu t'en apercevras. Parce que l'autre, il exigera de toi que tu sois à son goût. Et il faudra le faire plaisir. Et si tu ne fais pas plaisir, alors tu perds tout. Donc tu passes ta vie à faire plaisir, à faire croire à l'autre ce que l'autre aimerait voir, qui est là. Tu lui montres ce que lui, il voudrait voir. Et c'est un mensonge. Tu mens. Tu te mens à toi-même. Tu mens à l'autre. Est-ce qu'on peut être terriblement sincère? Là est toute la question de savoir si tu peux vraiment être toi-même sans ajouter rien, sans jouer de rôle, sans être celui que l'autre attend, qu'il t'accepte ou pas. Tu es là, ce que tu es. Et s'il ne t'accepte pas, ou elle ne t'accepte pas, alors il y aura rivalité. Mais toi, si tu as décidé d'être ce que tu es sans répondre à la demande de l'autre, alors les choses peuvent changer. Parce que tu n'es plus agressif. Tu ne rentres pas dans le jeu de la relation fausse. Tu acceptes d'être ce que tu es, peu importe ce que le monde pense. Parce que ce que tu es ne peut pas être arrangé, ne peut pas être dicté, ne peut pas être ce qui n'est pas. Tu es cela. Et cela, c'est cette capacité d'aimer sans attente, sans vouloir que aucune chose autour de toi ne soit à ton goût. Tu as accepté de ne rien attendre, de ne rien vouloir. Et à ce moment-là, tu es maître. Tu n'es plus dépendant de qui que ce soit. C'est toi le maître. Alors tu fais la vie que tu aimes. Tu mets en place l'atmosphère que tu veux. Parce que tu aimes. Parce que tu es l'expression de la vie. Et la vie mettra en place de l'harmonie, de l'enthousiasme,